Alors salut tout le monde, c'est Adrosseos et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans Perfect HD V11. J'espère que ça vous plaira. Donc on est chez les Givres, un clan axé sur les GDC et le Rush. Donc voilà un très beau record de Rush avec 24e FR. Et puis voilà leur journal de guerre qui est très satisfaisant, même s'il y a des périodes un peu rouge, hein, c'est normal, tous les clans ont ces périodes-là, on n'est pas invincible. Donc voilà, les Givres, un très bon clan, GDC et également Rush. N'hésitez pas à aller postuler si vous êtes intéressé. Par contre, voilà, il faut maxer votre HDV pour rentrer dans ce clan. Et n'hésitez pas à aller dans leur clan école aussi, un petit Givre. Donc voilà, là aussi il faut maxer votre HDV, mais ils acceptent un peu les HDV en dessous, hein, c'est-à-dire 6, 7, 8. Et donc voilà, on va passer donc directement sur les Perfect HDV 11. Donc voilà, en bouliste et en mineur, hein, vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors on est parti avec Black Wolf, donc un HDV 11 maxé, c'est vraiment leur meilleur joueur et c'est un très gros joueur, il est en League Légende, donc voilà c'est un très bon joueur. Donc là il va nous faire un bouliste mineur et c'est vraiment une très belle association de ces deux troupes. Car les mineurs, voilà, ils progressent sous terre. Et les boulistes avec les héros dans un sort de rage, avec la protection du grand gardien, c'est vraiment très incroyable. Donc voilà, les héros sont maxés également. Et les boulistes qui continuent leur percée dans les sorts de rage. Et on peut voir que ça va très très vite. Hein. Le sort de gel qui est posé donc, en plein milieu de la base. Le molosse en haut qui explose, mais l'arène voilà s'en charge. Les boulistes au sud qui continuent hein, leur percée. Quelques mineurs sur les côtés qui font bien le taf de clean. Le grand gardien, donc toujours hein, full vie. Donc voilà, qui sert vraiment pour les troupes. Et donc voilà, le gameplay va se terminer. Ce premier gameplay HDV 11. Et c'était vraiment une très belle attaque de Black Wolf, un très bon joueur, un très gros joueur, notamment Rush aussi, hein, je vous montrerai son profil à la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour le deuxième gameplay, donc avec George cette fois-ci. Alors on est directement parti avec George, hein, comme je vous l'ai dit dans le précédent gameplay. Alors là il n'y a pas de mineur, c'est vraiment que du bouliste. Donc avec des géants de niveau 8 en château de clan. Donc c'est un HGHB sans cochon. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant cette grosse masse de bouliste. Donc le double saut qui permet de diriger vraiment les troupes, notamment les boulistes. Donc dans un sort de rage avec le pouvoir du gardien, les guérisseuses qui sont derrière, ça fait le gros carnage. Le molosse du château de clan donc, qui sort. Mais voilà, ça n'arrête pas les boulistes. Au contraire, il le laisse tranquille. Hein. Le molosse ne fait rien aux boulistes. Et là, voilà, c'est déjà presque la fin de l'attaque. Hein. Les boulistes et les mineurs, ça avance vraiment très rapidement donc, dans la base. Et la reine et le grand gardien donc, sur le côté ouest qui continuent le clean des bâtiments. Sur le nord, quelques boulistes qui sont soignés par les guérisseuses. Et donc voilà, le gameplay était assez serré hein, comme dans le précédent. Mais voilà, en HDV 11, c'est très rare de perfect. Et donc quand on perfect, hein, c'est jamais un overkill. En HDV 11, je ne pense pas que ça existe, ou du moins c'est très rare. Et donc voilà, on va se retrouver pour le troisième gameplay de cette vidéo. Donc toujours en HDV 11 et encore très impressionnant à regarder.
C'est parti avec George toujours, donc un très gros joueur, hein, lui aussi, hein, c'est vraiment incroyable et perfect qu'il fait. Donc un grand gardien de niveau 16, hein, qui n'est pas maxé, mais voilà, il va pas tarder à le maxer. Donc voilà, encore hein, une très belle compo avec des guérisseuses, donc deux guérisseuses de chaque côté, donc pour bien clean. Et donc il va envoyer masse. Donc bouliste au centre avec quelques géants 8 dans le château de clan pour bien tanker. Donc le château de clan adverse qui sort, mais il va vraiment être ravagé par l'arène et les sorciers. Les boulistes qui continuent leur avancée. Le roi qui utilise son pouvoir, le grand gardien aussi. Et voilà, les boulistes sont vraiment bien entrés dans la base. Un dernier sort de rage qui est lâché. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de commenter des HDV11, des gameplay HDV11, mais c'est tellement impressionnant que voilà, je ne trouve plus mes mots. Les boulistes sont déjà dans le dernier compartiment du village. Et voilà, l'arène qui a toujours donc toute sa vie avec son pouvoir. Il reste pas mal de boulistes sur les côtés. Et donc voilà, encore une très belle attaque de George, hein, en HDV11 toujours, avec un double saut et 3 sorts de rage. Donc les sorts de rage sur les boulistes, ça fait un gros carnage comme on peut le voir. On n'a même pas besoin de sorts de gel. Donc voilà, encore très impressionnant. Et on se retrouve donc pour le dernier gameplay de cette vidéo où on retrouvera Black Wolf, hein, encore une fois. Alors pour cette dernière attaque, Black Wolf encore une fois, toujours en pleine forme avec l'association des boulistes et des mineurs. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cette vidéo Perfect HDV11, c'est qu'on a eu donc deux joueurs, hein, deux gameplays de chaque joueur. Et donc les compos sont vraiment différentes, hein. Black Wolf avec l'association des boulistes et des mineurs, et George avec donc les boulistes et les guérisseuses. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant dans les deux cas. Le sort de rage qui fait bien le taf sur les boulistes. Ça enchaîne bien, hein. Regardez, les boulistes se sont déjà au centre. Les héros qui en profitent bien également. Et puis voilà, le grand gardien fait un effet monstrueux, hein, sur les troupes. C'est vrai qu'il aide vraiment bien. Donc pour ça, c'est très efficace. L'arène adverse qui a été tué dès le début. Et puis voilà, hein, ces héros et ces boulistes qui vont tranquillement terminer le village. Donc merci à Black Wolf et à George, hein, pour les gameplays. C'était vraiment de très beaux gameplays, de gros perfecteurs HDV11. C'est vraiment difficile, hein, de perfecter HDV11. Donc voilà, encore un grand bravo à eux. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, hein, donc les Perfect HDV11, c'est vrai que c'est très impressionnant, hein, on est bouche bée en les voyant, donc c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas donc à rejoindre le clan Les Givres, hein, leur groupe Facebook, je vous le rappelle, qui sera en description. Et donc n'hésitez pas aussi à aller postuler dans leur clan école si ça... vous plaît, hein, si leur profil de clan vous plaise. Et donc voilà, je vais vous montrer les profils des deux joueurs HDV11. Donc voilà, avec Black Wolf, donc qui a vraiment toutes les troupes max. C'est vraiment très impressionnant, hein, les profils comme ça, avec un très beau record. Je vais vous montrer, voilà, son village vite fait. Et donc voilà, il a vraiment tout maxé, hein, que ça soit les murs, les défenses, les héros. Donc voilà, très impressionnant. Et donc
je vais enchaîner avec le profil de George hein, pour finir. Donc voilà, George qui est ici. Voilà, George qui a toutes les troupes max à part les bébés dragons et le grand gardien hein, et les quelques sorts noirs. Donc voilà, un très beau profil aussi, hein, vraiment très impressionnant, level 181. Lui, il n'a pas tous les murs max, mais il a toutes les défenses max, toutes les troupes max, hein, comme on a vu. Donc voilà, là, il passe, je pense, ses bébés dragons en laboratoire. Et donc voilà, en espérant encore une fois que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était AdroCOC, bye bye.